6h-9h. Good morning, Safran. Tout de suite, on va passer en mode clash avec Gianni. Oui, surtout qu'on est sérieux, Issa, je tenais tout d'abord à m'excuser pour ce faire. Je me mets au piano, attention, 3, 4. Issa, c'était pas cette musique, les gars. C'est super bizarre, ouais. Mais déjà, tu t'es auto-clashé. Ça, c'est déjà, la régie t'a clashé. Bon, du coup, je me mets à la harpe. Issa, je n'ai pas vu ton spectacle. Première consultation. Le jour où j'aurais dû y aller, une heure avant, ma copine m'a dit « Gianni, j'ai très envie de toi, je n'ai pas fait l'amour depuis la finale de la France en 2006. » Du coup, j'espère que tu ne m'en veux pas trop. Non, j'espère que tu as bien, en tout cas, marqué des corners, des coups francs, des pénaltys, tout ça. J'ai mis un coup de tête à la Zizou. Le clash, c'est Booba, cette gecko, c'est là que tu choisis. Est-ce que tu as une préférence, d'ailleurs, entre les deux? Entre Booba et cette gecko? Ouais. Franchement, moi, les histoires de clash, je m'en branle. On ne se bouille pas, mais tu as vraiment... bien raison. Non, non, c'est pas question. Les deux, j'aime bien leur manière de chanter, donc voilà. En tout T'imagines, cas, mon gars, c'est la fouine, mais je dis que j'aime bien ce que Booba fait aussi. Tu vois. En tout cas, vu que c'est tendance, on va clasher ce matin, les gars. Tu vas affronter quelqu'un aux mini fléchettes. Ouais. Un cadeau de ma mère à Noël qui montre à quel point elle préfère mon frère. Tu vas avoir. J'avoue que c'est un cadeau. Peut-être que c'est pas ta mère. Hein. Tu vas avoir trois duels avec des membres de la team. Le perdant devra clasher sale une personne choisie à l'avance et au hasard. Attention, premier duel. Tu affrontes Vivi, aka Vivienne Desbois. Ça se fait en une fléchette. Hein. Le plus petit score va devoir clasher Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord. Archer Issa, Vivienne Desbois. Lance ta fléchette, Vivi. Oh putain, allez, je ne touche pas la cible. Allez, mon ami Issa, Issa des bois. Je peux pas faire pire. Issa, normalement, c'est toi à qui toi, la gueule. Mais elle est super légère, là, le truc. Ah, tu vois, elle est non plus. Relance. Il faut au moins qu'il y en ait un qui soit bon, quoi. Même ta mère, elle t'a pas respecté, tes fléchettes. Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Tu as la cible, Vivi, à toi. Ouais, Vivi. Tu as combien? Eh bien, du coup, c'est fini, mon gâté, t'as perdu, t'es beaucoup trop nul. Oh non, t'as perdu. Tu dois clasher. Tu prends le Snapchat de vous. Ça l'a fait 17. Et en direct, tu clashes Kim Jong-un en direct, mon gars. Vas-y, je t'écoute. Prenez-lui en Snapchat, le Snap, le Snap. C'est mon téléphone, ça. Le game de... Il n'y a pas de Snap. Clash-le en direct, c'est pas grave. Kim Jong, vas-y. Je sais pas, si t'es chaud, et ben viens me faire un petit bol de riz. Oh. Il mange que des nouilles, lui. T'as maintenant moins de 12 heures pour dire adieu à ta famille, à mon avis. Deuxième duel. Archer Issa, tu vas affronter celui qu'on nomme Will Axtel, descendant de Guillaume Tell. Le perdant devra clasher quelqu'un qu'on va appeler au téléphone et qui a rien demandé. Will Axtel, attention, tirez. Oh, 17, madame. Donc, attention, Archer Issa. Oh, c'est chaud, 17. Allez-y, tirez. C'est fort. Il a triché, hein. C'est, comment ça j'ai triché? J'ai jeté. On l'appelle le 118-218, on est sûr qu'il va décrocher. Tu vas devoir clasher le gars ou la meuf alors qu'il a rien demandé. Après le signal sonore, cette communication sera enregistrée et vous sera facturé 2,99€ plus 2,99€. Ça va nous coûter cher avec l'argent du contribuable. Vas-y, Willax. Là, je suis gratos. 18-218, bonjour, quelle est votre demande? Rien, salut. Non, en fait, on voudrait que vous chantiez la chanson. La chanson est disponible sur notre page officielle. Non, normalement, quand on vous appelle, vous devez la chanter, monsieur. Je ne suis pas obligé de vous chanter la chanson. Si, monsieur, chantez-la. Monsieur, l'appel est enregistré. Allez, tout ensemble. Vous n'avez pas d'autres demandes? Si, j'ai une autre demande. J'ai une autre demande, je voudrais le numéro de Cyril Hanouna, s'il vous plaît. Oh, il a décroché, c'est lui qui vous a clashé. Vous avez fait clasher. Bon, termine les gars, dernier duel. Archer Issa, es-tu prêt à affronter le héros? Ouais. Il tire tout ce qui bouge. Il est l'homme qui se cache derrière Assassin's Creed, Pascal Seffran. Le perdant devra clasher ma grand-mère, les gars. On va rappeler au téléphone Assassin's Creed, Pascal Seffran. J'ai même pas envie de jeter. Attention, tirez. J'ai même pas envie de jeter. C'est pas sur une case, tu te fous de moi ou quoi? Elle sait quoi? Vas-y, passe ta grand-mère. Vas-y, Issa. C'est parti. Vas-y, on appelle les grand-mères, les gars. Mamiline en direct. Tu vas la clasher. Issa est clasher. C'est Issa qui va clasher Mamiline, les gars. Oh, ça sonne. Oh, de toute façon, si elle décroche pas, c'est qu'elle est morte. Oh non, tu la respectes pas. Ah, les grand-mères des gens comme ça. Allô? Allô, mamie? Oui. Ça va, mamie Lynn? Oh. Qu'est-ce que c'est, ça? Comment?
Mais je sais pas qui c'est. Mais c'est ton petit-fils. Mais lequel? Mais le noir. Non. Mais si. Tu sais, celui que t'as eu avec grand-père numéro 2. Non, mais ça, c'est meilleur que je veux dire, quand il faut le faire. Hein. Comment? Mais oui, mais ça va, mais je sais pas à qui je parle. Tu reconnais pas ton fils d'Afrique? Celui que tu as fait avec Mamadou. Ah, Toumania, Mamiline, c'est ton fils. Ah, mais écoutez, ouais. Mamadou, vous comme les autres. Comment, mamie? Oui, ça va. Ça va? Mais c'est pas, attendez. Elle écoute à la radio, je crois. Attendez. Ça doit être... Koum. Koum. Oula, oula. Il y a un vrai fils qui s'appelle Koum. Ouais, c'est vrai, Koum. Mais ça okay. Parle pointu, moi ça parle pas comme ça, hein. C'est moi, Koum. Eh oui, Mamiline, c'était Gianni. Il y a un problème de son un petit Mamie. Peu, parce qu'elle doit écouter la radio, Mamiline. Donc on va dire au revoir à Mamiline, qu'on embrasse très fort la mamie de Gianni. Mamie, je te fais des bisous, je te rappelle après. Et j'aimerais savoir qui c'est ce Koum, hein, parce que j'ai pas de cousin qui s'appelle Koum. Mais t'inquiète, son nom de famille, c'est Dinsoir. Restez connectés sur Move, le mytho pas mytho avec Issa Doumbia, ça arrive. Il est horrible avec sa grand-mère, ce Gianni. Vous écoutez Move. Move.